L'heure de la chronique, Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Bonjour et surtout un bon début de week-end, ça commence d'ailleurs aujourd'hui, on espère que vous allez passer. On va un tout petit peu souffler. Ouais. Mais bon, vous savez, c'est quand même le temps. Temps. Quand on parle du temps, on dit souvent que le temps, il est éternel, mais l'homme, lui, il est éphémère. Voilà. Allez justement savoir. Le 11 août dernier, vous nous dites que le chef de l'État a ordonné d'ailleurs de sursoir la procédure de classement de la forêt des bois, un geste louable sur lequel vous revenez ce matin dans votre chronique. Le 14 juillet 2020, le premier ministre chef du gouvernement signait donc un décret portant classement au domaine privé de l'État d'une portion de forêt de 68 835 hectares en unité forestière d'aménagement dénommée UFA, située dans le département du Nkam et de la Sanaga maritime. Une véritable douche froide administrée aux populations et même aux fervents défenseurs des causes environnementales, comme une levée de boucliers. Population, ONG nationale et même internationale sont montées au créneau pour demander au gouvernement camerounais de sursoir à une initiative visant à s'accaparer d'un héritage foncier ancestral, mais pire, à détruire la biodiversité caprite, la forêt des Baux. C'est le nom attribué à cet espace boisé qui est situé entre la région du littoral où nous sommes et la région du centre. Entre la date de signature du décret du premier ministre chef du gouvernement le 14 juillet 2020 qui validait la mise en concession d'une partie de cette forêt et la date de signature qui ordonne de sursoir à la procédure de classement de la portion de forêt le 11 août 2020, le gouvernement a entre-temps joué à la sourde oreille. En demandant donc au premier ministre chef du gouvernement de sursoir à cette initiative, le chef de l'État Paul Biya vient d'annihiler les intentions malsaines, il faut le dire, de hauts fonctionnaires véreux, de plus en plus impliqués dans la mafia foncière au détriment des communautés. En s'accaparant ces 68 835 hectares, l'État aurait exproprié 40 communautés, voire plus, parmi lesquels la communauté de Steve Ngos, donc, et trouve des moyens de subsistance dans dire, la forêt. Hein. Oui, il faut d'ailleurs. Dans la forêt des Baux, en pratiquant donc la chasse et la cueillette. Au-delà de ceci, les communautés, à l'instar des Banen, ils sont viscéralement attachés. Leurs ressources culturelles, coutumières et ancestrales, et même historiques, y demeurent, sont enracinées. Comprenez donc pourquoi les Banen et les autres communautés de Yingi, Ndikinmeki, Sanaga Maritime, etc., ont marqué leur détermination à ne pas se laisser exproprier. Alors, si ces communautés, ont eu gain de cause, c'est le cas de le dire, c'est aussi grâce à la mobilisation nationale et internationale autour de ce qui est considéré comme un joyau écologique, une richesse incommensurable qui aurait pu être ainsi sacrifié. C'est d'ailleurs pourquoi les ONG plaident pour que la forêt de Baux soit classée comme un aire protégée ou comme un parc national. La question est la suivante, qu'est-ce qui a bien justifié cette mobilisation nationale, aussi bien nationale qu'internationale, pour la préservation de la forêt de Baux? Au point de faire reculer le gouvernement. Les spécialistes nous font savoir que cette forêt est un écosystème qui sert d'habitat à une grande diversité faunique, c'est-à-dire l'ensemble des espèces animales, et parmi lesquelles des espèces animales uniques ou en danger de disparition. On parle des exemples des chimpanzés dits du Cameroun-Nigeria, des grenouilles Goliath, des éléphants de forêt, dont la plupart a diminué à 65% entre 2002 et 2013. Dans la forêt des Baux, on retrouve aussi une des deux seules populations restantes de colobes baies de Preuss, l'un des primates les plus menacés dans le monde. On ne peut pas autant effacer un écosystème et une biodiversité aussi riche au nom du commerce du bois. Et c'est notre confrère Julien Chongan qui a trouvé la bonne formule. Si l'État n'était pas revenu sur sa décision, il aurait choisi de couper l'arbre pour avoir le fruit. Autrement dit, on aurait dévasté la forêt des Baux
vendu les arbres, et puis alors la suite, c'est quoi? Rien du tout. Les Namibiens, eux, l'ont compris. Les Namibiens, ils ont compris cela. Ils ont favorisé l'écotourisme. Ils constituent une importante source pour l'État. C'est d'ailleurs le deuxième secteur en Namibie, le deuxième secteur économique du pays. À la fois, on réduit la pauvreté d'un côté et on conserve la biodiversité de l'autre côté. Les communautés environnementales bénéficient de 20% des terres qui accueillent les 86 réserves naturelles qui abritent les lions, les éléphants, ainsi que les plus grandes concentrations mondiales de rhinocéros noirs et de guépards. Là, c'est en Namibie. Alors, la préservation de cette biodiversité par l'État namibien engendre profit, emploi et opportunités dans les communautés. Tout le monde gagne, comme on peut le voir. Ici au Cameroun, on gagnerait donc à copier, n'est-ce pas, la Namibie et même le Rwanda pour ses gorilles. Nous tous, nous connaissons un peu la force de l'écotourisme rwandais avec ses gorilles. L'écotourisme est donc, il faut le reconnaître, très, très porteur. En passant, existe-t-il un ministère du tourisme et des loisirs au Cameroun? Bon, ça c'est une grande interrogation. Ah bon, je laisse juste savoir. Allez savoir justement ce qui se passe. Vous avez déjà vu un éléphant de la forêt? Pas encore, vous voyez que ce sont des richesses incommensurables. Moi, je n'en ai pas encore vu. Moi, mon village, c'est Isseng, c'est dans la Sanaga-Maritime, mm-hmm. était concerné justement dans cette histoire. Ouais, tout à fait. Et les éléphants de forêt ne sont pas comme les éléphants que vous voyez, par exemple, dans le parc d'Oisa. Ils ne sont pas aussi costauds. Ils sont quand même costauds, mais pas dodus, mais pas aussi costauds. Ils ne peuvent pas atteindre une grosse taille. Mm-hmm. Et ces éléphants, parfois, arrivent souvent dans les champs. Ils dévastent les champs. Quand vous les voyez, ils ne sont pas aussi méchants que ça. Mm-hmm. Ils ont quand même ce que vous appelez les cornes, je ne sais pas. Les trompes. Les trompes, tout ça. Mais ils ne sont pas aussi grands que ça. Mm-hmm. Très beaux. Voilà. Mais c'est des choses qu'on ne préserve pas. C'est qui est c'est en voie de disparition. On dit que c'est et tout ça, c'est en voie de disparition. Mm-hmm. Et justement, c'est dans notre village. Et quand vous regardez également, il y a ces gorilles également qui sont là, ces chimpanzés, mm-hmm. c'est... Grenouille Goliath, qu'on mange d'ailleurs très bien là-bas de ce côté-là. Avec, c'est très très succulent d'ailleurs. Succulent d'ailleurs, en ce mois d'août. Je conseillerais ça à beaucoup à mes amis. En ce mois d'août, Jackson, Jock et... on nous racontait quand nous étions petits que ça tombait du ciel. C'est qui était faux. Voilà. On nous disait que ça tombait du ciel, vous savez, c'est grosse grenouille et ça se mange super bien. Vous pouvez pas surtout imaginer. Surtout Mbongo, hein, pour Mbongo. Ceux qui connaissent le Mbongo. Voilà. Et vous vous imaginez, voilà, une forêt qu'on ne peut pas protéger. Voilà quelque chose qu'il faut, il faut faire le nécessaire justement. C'est un parc national qu'on doit, on doit viabiliser cette forêt-là parce que la détruire, on va couper les arbres, c'est bien, on va vendre les arbres et puis après. Et après. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Merci. On n'aura rien du tout. Rien du tout. Absolument rien. Les communautés. Et les communautés n'auront également rien. Pourtant, ces communautés dans l'Oukam, dans la Sanaga-Maritime, ont besoin d'écoles, ont besoin d'hôpitaux, ont besoin de routes. Justement, ils ont besoin de plein d'autres infrastructures. Ils n'en ont pas. Si vous allez à Isseng, pointez déjà pour arriver à Isseng, c'est un problème. Voilà. Non, c'est un très gros problème. Maintenant, si je ne parle même pas pour aller vers le 10 km, je vous rappelle qu'une dôme 10 km, je pense que c'est maximum 15 km. Mm-hmm. Et ça, c'est encore un autre problème. Si vous passez par Loum ici, vous allez arriver forcément à 10 km. L'une des routes les plus courtes, même pour aller à l'ouest, vous pouvez passer par ce côté-là, à Isseng, justement, pour aller à Baganté. Mais on va toujours vous faire comprendre une chose simple, c'est que c'est un jeu, personne ne regarde. D'ailleurs, il y a une autoroute qui a été faite. Hein. Mm-hmm. Ouais, c'est signé depuis la belle lurette qu'il y a une autoroute entre Pouma et Ndome depuis 1989. Et la route est aujourd'hui... On n'a dit qu'un souvenir. Non, on a dit qu'elle existe. Elle existe. Ah, d'accord. Et qu'elle a même été construite. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, il n'y a jamais eu de route. Merci beaucoup, Abbé Moukouri, d'avoir été là ce matin.